Bonjour Monsieur Schweitzer, comment allez-vous ? Bien. Bien, alors, on vous a vu pendant de nombreuses années aux commandes de Renault. Renault, aujourd'hui, vous n'en êtes plus aux commandes, mais vous suivez de près son actualité. Comment va Renault aujourd'hui ? Je crois bien. Il y a eu une crise, ça, tous les constructeurs l'ont subi, mais je pense que Renault prend des initiatives, et donc je suis tout à fait confiant dans l'avenir de Renault. Voilà, vous êtes confiant dans l'avenir, c'est la crise. Aujourd'hui, vous êtes au salon des entrepreneurs. Est-ce que la France manque d'entrepreneurs ? Non, elle ne manque pas d'entrepreneurs, elle ne manque pas d'hommes et de femmes qui ont l'esprit d'entreprise. Et d'ailleurs, le taux de création d'entreprise en France est élevé par rapport à beaucoup de pays. Et la création d'entreprises en France est en croissance. Donc, je trouve que c'est une bonne nouvelle et c'est un signe de la vitalité économique française. Cela dit, créer une entreprise, ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi, c'est compliqué, surtout en temps de crise. Ce n'est pas tellement que c'est compliqué, mais il faut de l'argent. Il faut une expertise particulière. Je veux dire, on ne crée pas une entreprise, on ne réussit pas si on n'a pas une compétence métier, si on n'a pas l'esprit d'entreprise. Mais après, il y a des techniques, des procédures, et là, on a souvent besoin d'aide, et c'est le rôle de France Initiative, le premier réseau de création d'entreprises de France, d'aider les futurs entrepreneurs sur ce point. Et puis, on a besoin d'argent.